La Vectra qui officiait depuis 20 ans au sein de la gamme Opel cède sa place à l'Insignia. Avec des lignes dynamiques, la berline est plus glamour que son aînée. Côté carrosserie, vous avez le choix entre le break, la 4 portes et la 5 portes. Même silhouette pour ces deux versions, sans la distinction extérieure, la présence d'un essuie-glace sur la lunette arrière de la version à haillons. À peine assis au volant de l'Insignia, on remarque la fermeté des sièges. Face à nous, une planche de bord de bonne facture aux assemblages corrects. Dès le premier niveau de finition, le modèle reçoit clim, radio CD MP3 et régulateur de vitesse. Notre version intermédiaire Cosmo profite d'un équipement inédit, la caméra Opel Eye qui lit la signalisation routière et indique le franchissement de lignes blanches. Sous le capot, 5 blocs essence, de 115 à 260 chevaux. L'offre diesel est plus restreinte avec un 2 litres CDTI décliné en 110, 130 et 160 chevaux. A défaut d'être discret, notre diesel 130 chevaux est volontaire et sobre. Consommation annoncée, 5,8 litres en cycle mixte. Côté tenue de route, l'Insignia Nougat, dommage que les suspensions soient si raides. Attention à la tête en montant à l'arrière, la découpe profilée de l'auto réduit sérieusement la garde au toit. Malgré ses 4,83 m de long, un gabarit supérieur à la moyenne de la catégorie, les places arrière de l'Insignia restent dans la norme. Opel a favorisé le coffre. Le volume de chargement est nettement supérieur à bon nombre de ses rivales. Au chapitre modularité, les dossiers sont les seuls à basculer. Après manipulation, on obtient un plancher plat. De série, Opel intègre une roue de secours galette. La roue classique, c'est 50 euros. L'Opel Insignia titré voiture de l'année 2009 profite d'un look avantageux, d'excellente qualité routière et d'un rapport prix-équipement attractif. Dommage que la finition n'égale pas certains standards de la catégorie et que le confort soit encore trop perfectible. Les tarifs débutent à 21 600 euros en essence et 24 600 euros en diesel que vous optiez pour une 4 ou une 5 portes.